Papa voudrait que je lui dise quelque chose de gentil. Bah, dis-lui que tu l'aimes. Ti amo. Ti adoro. Bon, alors, je voulais vous dire bravo, parce que j'ai lu votre scénario ce matin dans le bus, et je l'ai trouvé magnifique. Yanson, c'est le mec qui tourne que quand ça lui chante. Ça a du charme. Enfin, moi, à chaque jour de tournage à ça me coûte 20 000 euros. Pourquoi tu produis des trucs pareils? T'es maso ou quoi? C'est quand même pas une évidence commerciale, ton cinéaste. C'est un génie. Bah alors, où est-ce qu'elle est, Valentine? Allô? La dette s'élève à presque 1 million d'euros, plus les intérêts. Vous êtes conscient que la prochaine étape, c'est une saisie sur vos comptes. J'aimerais beaucoup que tu décides d'être heureuse. On est en train de se noyer. Mais non, ça va pas. Il y a des solutions, mais il faut tenir. Qu'est-ce qui se passera, Grégoire, si la banque vous lâche? Je sais pas. J'y arrive plus, c'est fini. Comment ça, c'est fini? C'est un échec. C'est un échec financier. Mais regarde le chemin incroyable qu'elle t'a parcouru. Pourquoi elle a fait ça? Je suis toute. Avec du silence. Je crois qu'elle était fière de produire mon film. Et qu'elle aurait voulu le terminer. C'est vrai. Je vais défendre la société jusqu'au bout. Mais des pensées à l'avenir, ça me donne du courage. Tu ne quitteras pas. Je ne quitterai jamais. Je t'aime.